Bonjour frère, soeur, bienvenue sur Suban. Ce que nous allons découvrir ici, vraiment, ça m'étonne. Ah, parfois je me demande si les gens sont envoûtés. Ce jeune homme que vous voyez là, c'est Young Boy. Genre, c'est comme le booter. Voici ce qu'il vient de faire. C'est l'information que j'ai reçue. Hein. On a dit que le gars, il s'est arrangé à prendre le contact d'une fille. Une fille. Et s'est assuré qu'elle soit riche. Et après, il est rentré en contact avec elle. Mais donc, on a commencé à causer sur les réseaux sociaux. Et il lui a demandé des nudes. Genre, la photo nude de la fille. Et elle, comme elle causait bien avec lui, elle était rassurée. Elle n'a pas eu de mal à lui envoyer ses photos. Et quand lui, maintenant, il devait faire sa part, c'est-à-dire lui envoyer la photo nude de lui. C'est là que les problèmes ont commencé. Et il a dit à la fille qu'il a menacé de publier toutes ses photos sur les réseaux sociaux si elle ne lui donnait pas de l'argent. Apparemment, il a réussi à lui soutirer au moins 7 millions de naira. 7 millions, matin bonheur là. Ah! Ouais. Il parlait en anglais, il servait de faire la traduction pour vous. Mais tout ça pour vous dire, mes frères et sœurs, nous sommes en 2021. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Donc, ce que vous faites là, c'est de balancer vos photos nues à des personnes que vous n'avez jamais rencontrées physiquement. Même si vous avez rencontré la personne physiquement. Pourquoi lui envoyer vos photos nues? Ah! Donc c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Ou bien l'amour a dépassé le niveau. Vraiment, quand une femme aime, elle ne compte pas vraiment. Écoutons. My name is Adetoro Kazim. I graduated from Fanta University. I introduced something to the Gloria. She said I knew to me. So... Et il nous explique qu'il est, il parle de la fille, c'est pas Gloria. Qui lui envoyait des photos nues d'elle. From there, I started collecting money from her. Et c'est là qu'elle a commencé à lui soutirer de l'argent. Total sum of the money was 7 million plus. Et il dit que le total de la somme, c'est 7 millions, comme il vous l'a dit. Alors, comment ça s'est passé? Tout ça, nous allons essayer de découvrir cela. I met Gloria on Instagram on a Il dit que j'ai rencontré Gloria, c'est-à-dire cette fille-là, le jour de son anniversaire sur Instagram. I chatted her on Instagram. Et j'ai commencé à chatter avec elle sur Instagram. I noticed most of the school Andrew used to post each student birthday, each student birthday on their birthday, they used to post their pictures. From the look of that girl, like she's not like maybe so someone that is rich. Et quand lui l'a vu la photo de cette fille, la manière, bon, c'est son anniversaire, elle a posté sa photo d'anniversaire. Et quand lui l'a vu la photo de cette fille-là, automatiquement il a su que c'était une fille riche. Like from the once they post that picture, like I just noticed she's she has money or something like that. So and then through that I messaged her on Instagram immediately. So we started talking. Et dès qu'il a découvert ça, il a commencé à lui envoyer un message rapidement. From there, we started talking from there. So after that, I introduced something to the Gloria that please and can you just be my girlfriend? A girl to girl dating that can you just be I acted like a girl, so Il dit, il a commencé à causer à elle. Et il a commencé à dire, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux devenir ma meilleure copine? C'est-à-dire, lui, il s'est fait passer pour une fille. Voilà. Il s'est fait passer pour une fille et une fille qui demande à une autre fille, est-ce que tu veux devenir ma meilleure copine? Vous voyez, non? I asked the girl, can we just be dating a normal friend, normal girl to get this? And she said yes. Et elle a dit oui. And I promised her to pay her 280,000 for us to be dating. So et il lui a promis de lui donner de l'argent. Vous voyez, non?
si juste elle accepte sa demande quoi. After that, she sent a note to me immediately. So I changed the whole matter immediately. Immediately she sent a note to me. So from there, I started collecting money from her. Et c'est là qu'elle a commencé à. Les deux ont échangé des contacts, des choses, des informations. Et c'est là qu'il a commencé à lui soutirer de l'argent. I collected 50,000 like in like 4 times a day from the girl ever since 40 days from now. So she used to send it to OPE. So from there, I would just go and collect the money and save the money. The total sum of the money was 7 million plus. La somme totale de cet argent collecté, c'est 7 millions. C'est-à-dire qu'il a commencé à le soutirer de l'argent. C'est 50 000, beaucoup. Elle ne voit rien dedans. Elle n'a rien vu dedans. The amount I have in mind of in collecting from that girl was maybe like 600K or 800, but when I collected that money, I still requested for more, and then like that's when I just started collecting more from her. Police traced me to Ibadan on 25th. That was where I got arrested by the police, and they brought me here on that same 25th. And she was only the first person I did it. Et il dit que c'est la première personne à qui il a fait ça. Everybody is in debt. I used to give, and some I use it for my birthday. And if my mom needs money or is in debt, I will pay it. Though I used to flex with the money at times, but I don't carry guys a lot like that. At times I used to threaten her, and then at times I would just tell her to just send money, and she would send it. But she knows that it's with me. That's why she kept sending it. If I'm free, I will never do it again. And then my advice for them. Et il a été attrapé par la police. Il était expliqué, il dit vraiment, il aimerait rembourser cet argent. Et s'il est vraiment libre, il n'aura plus répondre cela encore. Ça ne concerne déjà pas toujours, mais après. It's just not to engage themselves in fraud or any form of fraud again. Et il dit qu'il ne va plus jamais faire des choses en relation avec la fraude ou aucune autre forme de fraude. Eh Seigneur! Si c'est un garçon qui va vers une fille, elle va faire son balai. Mais quand c'est une fille qui va vers une autre fille pour dire « j'aimerais être ton amie », elle peut penser qu'elle est géniale, elle est extraordinaire. Donc ça va passer pour une fille, pour venir demander à une autre fille d'être sa meilleure, un bon ami, une sa meilleure amie. En même temps, il lui dit « bon, je vais te donner de l'argent si tu acceptes » et tout ça. En même temps, la fille a échangé la formation à la personne. Qui est-il? Vraiment, ce monde-là, c'est un monde terrible. Nous devons vraiment faire très attention. Les gens sont méchants, mais faut se retenir bien ce que je suis en train de vous dire là. Les gens sont méchants. L'homme que Dieu a détruit avec l'eau hier là, à cause de son cœur très méchant, ou encore tourné vers la méchanceté, cet homme-là, il est de retour. Et il est en l'homme. Le diable se trouve en l'homme. Parfois, il dit que l'homme est plus méchant que le diable. N'ayez confiance à personne. Même une personne que vous voyez physiquement, même n'ayez pas confiance en elle. Il faut une personne que vous voyez sur les réseaux sociaux. Si Dieu vous montre les signes de quelque chose comme de la fraude, quelque chose de méchant, ne doutez pas de ces signes-là. Rompez tous les liens avec les gens avec qui vous causez sur les réseaux sociaux. Il y a plus de démons sur les réseaux sociaux que physiquement. Mes frères et sœurs, ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment grave. Regardez sa stratégie. Regardez la stratégie qu'il a utilisée. Dès qu'il a vu vu la photo de la fille seulement sur Instagram, qui fêtait son anniversaire sur Instagram, automatiquement, par son look, par sa manière de faire, il a su qu'elle était riche. C'est pourquoi je vous dis, si vous choisissez de vous exposer vos biens sur les réseaux sociaux, préparez-vous aussi aux conséquences. Si vous n'êtes pas bien arrêté, vous n'êtes pas le taux large pour accepter tout ce qui va se passer, ne le faites pas.
Restez tranquille chez vous. Tranquille, vous vivez votre vie tranquillement. Vous n'avez pas besoin de faire comme les stars, comme les célébrités, au point où certaines personnes, même qui n'ont rien, vont aller se prendre en photo des fois les voitures de luxe pour venir nous faire croire qu'elles ont de l'argent. C'est comme moi. Je n'ai pas un iPhone. Je n'ai pas un iPhone. Et puis, je fais croire aux gens que j'ai un iPhone 12, le tout dernier iPhone. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Du vendeur d'illusions. Aujourd'hui, tout le monde vous regarde sur les réseaux sociaux. Les arnaqueurs sont là. Les mauvaises personnes sont là. Il faut vraiment être très, très vigilant. Surtout prier. Priez là maintenant, même avec moi. Dites, Seigneur Jésus, donne-nous un esprit de discernement vraiment très puissant afin de pouvoir attraper toutes les mauvaises personnes qui essaient de nous voler, qui essaient de nous mettre dans le problème, que toi-même tu sois toujours là pour nous guider. Éloigne-nous de tout ce qui est mauvais, mais fais le nettoyage autour de nous. Toutes les mauvaises personnes qui sont autour de nous, qui donnent des informations à nos ennemis, que ces personnes soient dévoilées et que tu puisses toi-même nous aider à faire le nettoyage de notre vie. Amen. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Pour le son de vous, je vous donne rendez-vous prochainement tout à l'heure. Restez connectés sur ce bon. C'est parti.